Voilà, que voilà une demoiselle fort empressée. Mais c'est ma chère Olympe de Gouges. Seriez-vous ainsi poursuivie par le diable ? Benjamin Franklin, je suis confuse de vous avoir fait attendre et de vous avoir ainsi perturbé. Saint-Georges m'attend avec Danton au foyer du théâtre où il doit diriger un concert dédié à nos plus fameux musiciens. Rassurez-vous, ce concert ne commencera pas sans moi, car j'en suis l'organisateur en tant que vénérable maître de la loge des Neuf Sœurs. Offrez-moi votre bras et je vous éclairerai sur ces merveilleux musiciens qui vont nous régaler. Me montrer au bras du grand Benjamin Franklin, c'est trop d'honneur. Mais dites-moi, est-il vrai que ces compositeurs qui ont tant bouleversé leur art depuis quelques décennies appartiennent à notre société de francs-maçons ? Exact, ma chère. À l'instar des grands penseurs qui ornent nos colonnes, pratiquement tous ces musiciens qui ont révolutionné le style musical imposé par les églises sont des frères. Et ils l'ont fait en inventant le public. Le prix de la place que nous allons acquitter permet de se passer de l'argent des cardinaux. Ah oui. Et tout a commencé par cette fameuse lettre sur la musique de Jean-Jacques Rousseau. C'était en 1751. Et vous étiez à peine née, ma chère. L'un des premiers à révolutionner la musique fut Joseph Haydn, notre frère. C'est lui qui initia ce courant du Sturm und Drang. En français, vous diriez « tempête et passion ». Qui valorise les sentiments humains plutôt que l'adoration divine. Et ce y compris dans ses œuvres sacrées, comme dans la création que nous allons entendre. Thank you.
cette musique est tellement envoûtante que j'aurais adoré assister à la vraie création. Vous qui êtes un scientifique, vous ne vous êtes jamais posé la question épineuse : qu'est-ce qui existait avant la création ? Mais vous blasphémez ! Continuez et vous crierez en enfer ! Tout beau, monsieur l'ambassadeur des Amériques, la création, selon Haydn, commence après le silence. Et vous, franc-maçon, savez bien que le silence préexiste à la parole et donc la nourrit. Ensuite, Haydn nous dépeint un chaos. Donc, la création a été précédée par quelque chose. Avouez, monsieur le physicien, que ça vous embouche un coin. Pour la musique, vous avez raison. Avant la création de Haydn et l'Aufklärung, qu'ici vous appelez les Lumières, existait une création musicale et même des musiciens francs-maçons. L'un de ses précurseurs, Louis-Nicolas Clérambeau, est né au siècle dernier, en 1676. Il était reçu en maçonnerie dès 1737. Louis XIV appréciait tellement qu'il l'avait nommé surintendant de la musique de Madame de Maintenon. Le pauvre, il ne devait pas s'amuser tous les jours avec cette vieille bigote. Donc, j'ai raison. Il y a eu une création musicale et maçonnique avant la création. Et bien plus encore, il y a eu transmission. Ma chère, faites-moi l'honneur d'accepter un extrait d'une de ces cantates maçonniques de Clérambeau. Je vous l'offre. Loin du faste et de l'imposture, nous formons de sages désirs, une volupté toujours pure, les sentiments et la nature nous fournissent les vrais plaisirs. Un demi-siècle après ces lignes, il n'y a rien à ajouter. Clérambeau a aussi composé des morceaux pour clavier. Et nous allons en écouter un. Ils évoquent ces musiques populaires que l'on écoute avec plaisir sur le Pont Neuf. Ces airs agrestes font rêver à ce droit au bonheur que proclament aujourd'hui nos philosophes. Thank you.
Vous comprenez maintenant. Cette musique de Clérambeau montre qu'il y a un avant par rapport à la musique d'aujourd'hui. Mais à propos, vous m'avez bien dit que Clérambeau était entré dans la société des francs-maçons en 1737. Or, le Grand Orient n'a-t-il pas été créé en 1773? Oui, et alors? Avant la maçonnerie, il y avait donc une maçonnerie. C'est le même mystère qu'avec la création. Ah, décidément, ma chère Olympe, vous ne lâchez jamais un os. En effet, la maçonnerie est le résultat d'un long processus, comme la création. Le message que nous pouvons garder de l'œuvre de Haydn est que l'homme apparaît au terme d'un cheminement. La lumière, puis l'air, la terre, les montagnes, puis l'eau des mers, des rivières et des ruisseaux, qui donnent naissance à la vie animale. Et enfin, l'homme. Et à la femme. Je m'y attendais. Sachez que moi, je n'avais pas encore atteint mes 20 printemps quand j'ai demandé que les femmes bénéficient du même droit à la parole que les hommes. Le verbe, c'est l'existence. D'ailleurs, la lecture que nous autres protestants faisons de la création est simple. L'homme est mâle et femelle. Cet homme-là n'est pas achevé à sa création. Il doit se parfaire. Le guider est la tâche qui, chez Haydn, incombe à l'ange Raphaël. C'est ce que va exprimer la musique que nous allons entendre maintenant. Oui, écoutez-la bien. La voix la plus grave de cette œuvre qui exprime la sagesse et la connaissance est celle de Raphaël. Oh!
expert en maçonnerie qu'en paratonnerre, dites-moi si je me trompe. Dans la création, Haydn célèbre quelques valeurs qui sont aussi les vôtres. Mm-hmm. Mais on m'a dit qu'à ce jour, il n'a mis qu'une seule fois les pieds dans un temple maçonnique. Eh oui, Haydn a cessé d'être maçon aussitôt qu'entré en maçonnerie. Pour Mozart, c'est le contraire, il l'était avant son initiation. Il avait même composé une cantate et un opéra maçonnique, Tamos, avant même de passer sous le bandeau. Je tiens que toutes ses œuvres écrites après son initiation ont une imprégnation maçonnique. Il est à la maçonnerie ce que Bach fut au protestantisme. Je vous crois, mais une disposition me perturbe dans cette maçonnerie à la sauce Mozart. Une seule ? De votre part, c'est rassurant. Dans la flûte enchantée, le frère Wolfgang personnifie le mal par une femme, la reine de la nuit, et un noir, Monostatos. Ça ne vous rappelle pas que vous qui avez défendu la cause des femmes et harcelé votre ami Washington pour qu'il s'engage à abolir l'esclavage ? Certes, et je pourrais ajouter que Mozart a refusé de faire diriger ses œuvres par un noir, le chef d'orchestre Saint-Georges. Mais évidemment, les maçonneries françaises et autrichiennes sont différentes. Nos frères autrichiens n'ont quasiment jamais vu un seul homme noir. Ah oui, il est vrai qu'on en dénombre plus de 10 000 à Paris. Mais dites-moi, ce trio des qui suit dans votre programme, est-ce aussi une œuvre maçonnique ? C'est surtout un cadeau à un ami très cher. Néanmoins, il y a deux indices. Primo, il est composé en mi bémol majeur, c'est-à-dire avec trois bémols à la clé. Ce qui est un symbole traditionnel. Oui, et le second ? Cet ami très cher se nommait Jacquin. Jacquin ? Oh, cet ésotérisme me dépasse. Thank you.
Thank you.
Après Mozart, ma chère Olympe, place au dieu de la musique. Je crois que vous éprouvez du sentiment pour lui. Ah, Saint-Georges, oui, je l'aime. Il a sauvé ma pièce Zamor et Mirza, qui est un réquisitoire contre l'esclavage, de la censure abjecte ourdie par le clan des planteurs, en la faisant interpréter dans son théâtre du Palais Royal. La Comédie Française l'avait jetée aux oubliettes. Mais c'est aussi un magnifique musicien et le plus élégant par l'esprit et par le corps des hommes de Paris. Et doué de tous les talents du corps. Il est aussi le dieu de l'escrime. Et mon ami Joe Maddens, qui succédera bientôt à Washington, m'a confié que lorsqu'il était ambassadeur à Paris, il avait appris que Saint-Georges pouvait percer une pièce jetée en l'air d'un seul coup de pistolet. Moi, je l'aime surtout pour son génie musical. Cet air que vous avez programmé est un hymne à la maçonnerie et à son grand maître, le duc d'Orléans, qui est aussi le protecteur des artistes et des hommes et femmes de progrès.
Avec Philidor, voici encore un fidèle de votre ami Saint-Georges. Le pauvre a dû s'exiler à Londres à cause de ses idées favorables à une monarchie constitutionnelle. Ce crime de lèse-majesté aurait pu le conduire tout droit à la Bastille. J'avoue que je ne connais pas ce Philidor. Mais chez les Danicans Philidor, on est musicien depuis des générations. Il se devait donc de faire de la musique, d'autant que le grand Rameau l'a pris sous son aile quand il était enfant. Philidor est devenu une sorte de génie de la musique, très en avance sur son temps, mais sa vraie passion, ce sont les échecs. Et à Londres, elle le fait vivre confortablement car il a la réputation d'être le meilleur du monde depuis qu'il a battu un Turc prodigieux. Et à Londres, Philidor ne craint plus la police de Louis XVI. Exact, ma chère. C'est donc là-bas qu'il a créé son Carmen Seculare, un oratorio à la gloire de l'empereur romain Auguste, lequel a régné tout en maintenant en vie les institutions de la République romaine et notamment le Sénat. À Versailles, on a pris cet épisode et cet oratorio républicain comme un véritable injure au roi de France qui gouverne en despote. Néanmoins, on tolère les rares visites du frère Philidor à Paris, essentiellement pour assister aux travaux de d'autres loges des Neuf Sœurs. Et c'est ce Carmen Seculare que nous allons écouter ? Absolument, mais juste un extrait de cette merveille. Thank you.
déjà 3 ans que Benjamin Franklin est mort. C'était peu après son retour en Amérique. Saint-Georges, qui avait levé un régiment de volontaires noirs et de mulâtres pour défendre la patrie, a été jeté en prison. Quant à moi, je vis chaque jour dans la terreur d'être tiré de cette cellule par mon bourreau. Il y a encore des concerts au Palais Royal. Gossec est encore là. Lui qui avait composé il y a 30 ans des quatuors délicieux et un divin requiem doit produire pour la Révolution. Le citoyen conventionnel Dubouchet a assigné un rôle essentiel au compositeur. Il le résume ainsi : rien n'est plus propre que les hymnes et les chansons à électriser les âmes révolutionnaires. Gossec a donc composé ce triomphe de la République pour célébrer la victoire de Valmy. Ce vieux roublard a réuni des airs écrits dans le passé sur lesquels il a mis de nouvelles paroles. Mais les plats réchauffés sont souvent meilleurs quand le cuisinier a un tel talent. Le programme prévoit d'interpréter l'ouverture et un air intitulé « Que devient l'ardeur ?». Peut-être Gossec sera-t-il récompensé par ce zèle et pourra-t-il enfin ouvrir aux filles le conservatoire de musique.
Vraiment, quel souffle ce Gossec! Et maintenant, c'est ce cher Dalayrac que nous allons entendre. Benjamin Franklin en aurait été heureux. Dalayrac lui avait, dit-on, dédié une composition lorsqu'il tenait le premier maillet de la loge des Neuf Sœurs. Il était, il est vrai, un franc-maçon assidu, membre également de l'Olympique sous l'autorité de Saint-Georges, qu'il admirait. Aujourd'hui, il fait comme les autres. Il compose pour les révolutionnaires.
du moins quand il ne commet pas un nouvel opéra, car il en a écrit des dizaines. Une vraie poule pondeuse, ce Balairac. Mais il a un tel besoin de reconnaissance qu'après avoir fait déclamer dans ses hymnes le beau mot de liberté, il finira bien par se jeter dans les premiers bras du dictateur venu. Thank you.
Ils n'ont pas oublié Saint-Georges et nous offrent son quatuor funèbre maçonnique. C'est tout à leur honneur, car Saint-Georges a bien failli être balayé par la Révolution. Il était le plus adulé des compositeurs français et il aurait donc pu mettre son talent au service des grands messes que Robespierre affectionne tant. Il aurait alors fait chanter la liberté et exalter le courage des autres. Au contraire, il a choisi de se battre, sabre en main, pour défendre cette liberté au péril de sa vie. Il est devenu colonel de cavalerie et c'est le seul artiste de France qui a déserté la scène et les honneurs pour braver le feu de l'ennemi. La mort en héros que ses amis Gossec, Méhul ou Dalayrac ont célébré, lui, il l'a vu avec les hommes qui tombaient à ses côtés. À ce jour, aucune musique n'a mieux décrit la mort que ce quatuor, surtout quand il est joué à grand orchestre. Dans le premier mouvement, on ne devine pas, on voit des hommes et des femmes errer à la recherche d'un cadavre adoré. On respire leur chagrin et leur désarroi. Le second mouvement est une montée vers la lumière. C'est un chant d'espoir, comme si la mort d'un maître devait nous conduire à construire un monde nouveau. Saint-Georges, cet homme noir, nous a ainsi offert le plus lumineux des testaments philosophiques. Thank you.
Thank you.
belle idée que celle de terminer sur Méhul, car il est un passeur comme j'aurais tant aimé en être une. Je sens que ce garçon au talent rare s'est nourri des grands musiciens dans les loges parisiennes qu'il a intégrées encore jeune. Mais il voit déjà plus loin et regarde le prochain siècle. Il est vrai qu'arrivé à la fin du siècle des Lumières, ce dernier était devenu trop sombre pour lui. Évidemment, il est obligé de faire ses gammes dans les messes révolutionnaires. Gossec en est le grand prêtre et l'ambitieux Méhul ne le lâche pas d'un pouce. Ainsi, il est entré dans l'histoire avec son chant du départ, ce que Gossec n'a pas réussi. Le plus drôle est que le gamin Méhul a eu une sacrée audace. En effet, la même partition lui a servi 4 fois. 2 hymnes à la nature, 1 à l'amitié et donc le chant du départ. En voilà un qui ne met pas tous ses yeux dans le même panier et qui saura donc trahir ses maîtres au bon moment. Mais son plus bel atout est l'immense richesse de sa palette musicale, tant il sait se servir de tous les instruments. Et peut-être même mieux que Mozart. J'aurais tant aimé le connaître. On dit qu'il était d'usage dans les loges de chanter. Alors ça va être à notre tour de chanter. Donc c'est le chant du départ sur la musique du chant du départ qui était l'hymne national pendant presque tout le 19e siècle. Donc on va réactiver aujourd'hui, mais dans la version de l'hymne à la nature. Et vous avez les paroles du refrain. On vous impose que le refrain, à l'avant-dernière page, en bas de l'avant-dernière page du programme. Donc vous n'avez plus aucune excuse. À tout de suite.